En 1963, la Poste émet ce timbre en soutien à la campagne mondiale contre la faim. Au terme de la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies est créée afin de préserver le monde des horreurs qui viennent de se produire. Un organe autonome consacré à l'agriculture et l'alimentation voit le jour, la FAO. En 1960, la FAO lance une grande campagne mondiale pour lutter contre la faim dans le monde. Programmée sur 5 ans, elle invite les 104 nations adhérentes à y participer. Dans l'histoire, les famines ont toujours été génératrices de conflits. La plus ancienne trace remonte à l'Égypte ancienne, où sur une stèle, un pharaon écrit sa désolation. Les hommes transformés en voleurs pillent leurs voisins. En cette seconde moitié du XXe siècle, l'agriculture est face à un enjeu majeur, nourrir l'humanité. Le milliard de bouches à nourrir en 1900 va passer à 7 milliards en 2000. Face à un niveau alimentaire déjà insuffisant, l'organisation encourage alors les nations à lutter contre ce fléau afin d'instaurer une paix durable dans le monde. Et c'est l'agriculture qui doit remplir cette mission. Nombre d'études sont donc produites pour chercher des solutions afin de rendre les agriculteurs plus productifs. Et la solution est trouvée, celle d'une agriculture qui a recours aux intrants pour augmenter les rendements. Le monde va s'engouffrer dans la chimie au secours de l'agriculture avec des campagnes d'éducation et de formation auprès des agriculteurs du monde entier. En 20 ans, la France entame sa révolution agricole pour devenir autosuffisante à la fin des années 60. Cette grande campagne contre la faim, relayée par la Poste avec ce timbre en 1963, nous rappelle que c'est dans les années 60 que ce grand virage a eu lieu.